Salut le manchot, Ubuntu Cinnamon est une nouvelle distribution qui est officielle avec Ubuntu. L'interface graphique sera Cinnamon si je compare avec Linux Mint. Linux Mint est la distribution officielle qui utilise Cinnamon et qui développe Cinnamon. Dans les téléchargements de Linux Mint, vous avez toutes les versions qui sont disponibles ici. La dernière distribution en date, c'est la 21.1. Nous avons l'interface graphique Cinnamon, la version matée et la version XFCE. Cinnamon, c'est celle qui est mise en avant par Linux Mint. La particularité de Linux Mint, c'est qu'elle se base sur une distribution LTS de Ubuntu, la 22.04. Ici, c'est totalement différent. Nous avons donc une Ubuntu Cinnamon. C'est une base Ubuntu avec juste l'interface graphique qui sera Cinnamon. Nous aurons droit à plusieurs versions, la 22.04 qui est sortie dès le départ, et ensuite nous aurons la 22.10, et maintenant nous avons la 23.04. Nous avons donc des distributions Ubuntu avec une interface Cinnamon qui ne sont pas basées que sur des LTS. Mais c'est juste l'interface graphique. Derrière, vous n'avez que du Ubuntu. Ici, par exemple, pour les mises à jour, vous voyez, il n'y a pas de logo supplémentaire pour les mises à jour, puisque les mises à jour de Linux Mint sont un petit peu différentes de Ubuntu. Là, c'est le même moteur qui est utilisé pour le gestionnaire de mise à jour. Je clique sur le gestionnaire de mise à jour, c'est du Ubuntu classique. Voilà, comme vous le voyez, hein, gestionnaire de mise à jour, c'est du classique, c'est du Ubuntu. Derrière, si je vais dans les paramètres, hein, vous avez le même moteur ici qui est présenté, hein, avec les autres logiciels, les mises à jour, l'authentification, les pilotes additionnels. Si vous avez des pilotes supplémentaires sur votre ordinateur, pensez à cliquer sur ce menu pour les pilotes propriétaires. Donc ça, c'est du Ubuntu. Le fait d'utiliser une version Cinnamon, c'est l'interface graphique uniquement qui est modifiée ici. Si je veux la calculatrice, je peux la choper ici et la mettre ici directement en raccourci dans le panneau. Donc c'est une utilisation classique d'une Cinnamon. Les logiciels qui sont préinstallés ici, ce sera du Ubuntu. Pas de logiciels supplémentaires ici qui sont développés uniquement sur Linux Mint, qui sont bien sûr disponibles à l'installation, mais ici c'est du Ubuntu. Donc vous n'aurez pas de logiciels supplémentaires ici, à part ce que vous avez toujours de classique dans les versions Ubuntu. Les paramètres, bien sûr, font partie de l'interface graphique. Donc les paramètres, ce sera les paramètres que vous aurez dans Cinnamon. Si vous appréciez la distribution Cinnamon, c'est que du bonheur. Vous allez avoir ici une version Ubuntu avec une interface graphique de Cinnamon. Les effets, c'est la même chose. Vous avez les paramètres que vous pouvez configurer qui sont identiques à la version Cinnamon. Le thème est un peu différent ici, puisque nous avons un thème Yahoo qui est plutôt un thème orange ici, mais que bien sûr vous pourrez modifier selon vos besoins. Ensuite, dans les paramètres, c'est du classique. Vous avez tous les menus ici qui sont présents, que vous retrouverez dans une version Cinnamon. Si je vais dans Général ici, donc là, vous avez les options qui sont en raccourci. Ensuite, pour les informations système qui sont présentes ici, on le voit, Ubuntu 23.04 et la version Cinnamon, c'est la 5.6.7 avec le noyau Linux de la dernière version qui est disponible ici. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de l'installation, lorsque j'ai installé le logiciel Ubuntu Cinnamon, c'est l'ancien moteur d'installation. Ce n'est pas le moteur Flutter qui est utilisé pour l'installation, mais c'est l'ancienne génération. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, au niveau de l'installation, on le voit, Ubuntu Cinnamon est installé ici. Elle n'utilise pas la bonne partition EFI. Elle utilise la partition EFI qui est sur l'autre disque dur. Ce n'est pas du Flutter ici, c'est une version originale de Ubuntu qui sert pour l'installation. On verra pour la prochaine version si elle utilise aussi Flutter pour la 24.04 qui sera une version LTS. Ensuite, quand on utilise une interface graphique spécifique, il faut savoir que le logiciel d'explorateur de fichiers est souvent différent. Il est associé à l'interface graphique. Si je vais dans Aid ici, je vais donc retrouver le nom du logiciel qui est utilisé pour l'explorateur et c'est bien Nemo. Nemo, c'est le même logiciel qui est utilisé pour l'exploration de fichiers dans Linux Mint. Ici, ce n'est pas le logiciel Nautilus ni Phil qui est utilisé sur Ubuntu. Donc on utilise au maximum l'interface graphique de Cinnamon, pas de particularité autrement. Vous avez les menus ici qui sont présents, c'est ce que vous avez dans Ubuntu. Généralement, vous pouvez faire personnaliser et gérer un petit peu votre disposition d'écran ici en fonction de vos besoins.
Pas grand-chose à dire sur cette distribution, à part l'interface graphique qui est modifiée, hein, qui utilise une interface graphique Cinnamon. Ensuite, j'ai fait quelques tests pour le htop à vide, hein, pour voir un petit peu la consommation mémoire de cette distribution. Je vais refaire quelques tests, hein. Je n'ai pas encore eu le temps de procéder aux tests de toutes les distributions ici, hein. Il a fallu que je mette à jour tout ça. Si je prends l'exemple de la Ubuntu Cinnamon que nous avons ici, la 2304, elle consomme en consommation mémoire de htop à vide, hein, c'est-à-dire au bout de 3 minutes, sans utiliser l'ordinateur, on est déjà à 947 mégaoctets de consommation mémoire à vide, sans utiliser l'ordinateur. Par contre, nous avons un très bon score au niveau de superposition. Le logiciel que je lance, hein, pour faire les tests de performance graphique de logiciel, on est à 3169, hein, ce qui est un très bon score, hein, pour Ubuntu Cinnamon. Pour le montage Kdenlive, j'ai relancé des tests, hein, qu'il faut que je peaufine un petit peu, hein. Là, on est sur un réglage à 3 minutes 07, ce qui est à peu près équivalent avec Linux Mint en 3.17. Mais on voit que Linux Mint Cinnamon, qui est l'ancienne version, qui est basée sur Ubuntu 22.04, est un petit peu plus longue pour le montage vidéo. Ensuite, il faudra que je refasse le test de superposition, hein, que je vois que là, elle n'a pas un très très bon score au niveau de superposition. Il faudra que je fasse un deuxième test pour valider cette information qui est présente ici. Pour Ubuntu 23.04, hein, les tests étaient assez intéressants. On a 2910 aussi, hein, pour les performances graphiques. On a des améliorations, hein, par rapport à Ubuntu 22.04. J'ai effacé les informations, mais on a des améliorations. La consommation mémoire reste équivalente. On est à 920 mégaoctets de consommation mémoire. Un petit peu moins que la 22.04, mais il faut voir aussi après quelques mises à jour si ça va évoluer dans le temps. Sur mon site internet, hein, qui est présent ici, j'ai l'onglet htop. Alors j'avais fait quelques mesures, hein. Il faudra que je finisse les mises à jour ici. Hein. Pour l'instant, elles ne sont pas encore à jour. Car ici, vous voyez, Linux Mint, j'avais un autre test que j'avais réalisé et les performances étaient un petit peu meilleures. Bon, Kdenlive, c'est un nouveau montage que j'ai réalisé, hein, pour faire le montage vidéo. Et nous allons voir les performances entre les différentes distributions. S'il y a une interface graphique qui est pénalisante, hein, par rapport aux distributions, nous le verrons assez rapidement avec ces petits tests que je réalise. Nous avons donc ici une Ubuntu pur jus, hein, qui vous permettra d'utiliser une interface graphique différente avec la version Cinnamon pour ceux qui sont amoureux de cette distribution et qui adorent cette interface graphique qui est présente ici. Je vous dis donc kenavo et à bientôt pour une prochaine vidéo.